Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le Red Cauchemar, et cette fois-ci, on va affronter Secrétaire Vera, et c'est parti, let's go! Si vous m'avez un petit peu suivi sur Twitch, j'ai pas mal galéré ces derniers jours pour faire le boss, parce que j'avais pas forcément soit les bons équipements adaptés pour effectuer le boss, ou soit forcément les bons héros pour effectuer le boss. J'ai testé pas mal de compositions, et je suis tombé sur une composition qui m'a permis de gérer le boss en une tentative, donc j'étais plutôt refait, et je pense que ça va être ma composition fixe à chaque fois que je vais effectuer Secrétaire Vera, parce que c'était la plus simple, j'avais l'impression. Après, j'ai pas forcément tous les héros à ma disposition, donc peut-être qu'il y a des héros qui vont être mieux, et on verra ça dans une deuxième partie de la vidéo. Mais en tout cas, je suis parti pour effectuer Secrétaire Vera avec Lilias Feu, Ravi, Akathes et Tenebria. Pourquoi je suis parti sur cette composition? Le boss aura trois phases différentes. La première phase, elle n'est pas très importante, elle n'est pas très difficile. Cependant, il faudra des dégâts de zone parce qu'il va falloir tuer les monstres qui accompagnent le boss avant de pouvoir taper le boss. Donc pour ça, il faudra prendre des dégâts de zone. Ce qui est bien, c'est que Ravi a un bon S3 qui va taper très fort en zone. Elle va infiltrer la défense maintenant. Tenebria Feu a un très bon S3 qui va taper en zone, mettre un break def, slip, ce qui va aussi empêcher les adversaires de jouer. Et elle a un très bon S2 qui va aussi taper en zone, mettre un malus vitesse et CR des poches adversaires. Donc j'ai trois très bons sorts pour taper en zone, et en plus de ça j'ai aussi le S3 de Lilias, mais on va voir que ma Lilias est plutôt tanky, donc elle va pas taper très fort. Et avec seulement ces sorts, ça suffira pour passer la première phase. C'est pas forcément la team la plus optique pour faire la première phase, et c'est celle où on a le moins besoin d'optimisation pour gérer le boss. Ensuite, il va s'enchaîner une deuxième phase, où là il faudra mettre des malus pour taper le boss avant que son œuf éclos. Pourquoi? Parce que comparé au Red L, où on n'avait pas besoin de tuer l'œuf pour pouvoir enchaîner dans la troisième phase, là dans le Red Cauchemar, on est obligé de tuer l'œuf, sinon il va one-shot toute notre composition dès qu'il aura son S3 disponible. Donc il faudra mettre au minimum 3 malus sur le boss, 4 c'est encore mieux, sachant qu'il est immunisé à pas mal de malus, pour pouvoir lui infliger le maximum de dégâts possible. Si vous n'avez pas au minimum 3 malus sur lui, vous aurez du mal à le terminer avant son S3. Et si vous mettez 4 malus, là c'est jackpot, ça va aller très très vite, vous allez taper fort. Et au-dessus de 4 malus, j'ai pas pu essayer, mais je pense que les dégâts sont un petit peu exponentiels. Donc ça suffira, parce qu'on a quand même pas mal de malus sur Ténébria Feu, on a aussi un malus sur Ravi, et on a toujours un petit peu de chance de faire aussi un malus avec le S1 d'Akathes qui va retirer de l'attaque. Donc cette phase avec cette composition s'est passée plus ou moins bien, il n'y a pas eu de problème. En plus, avec un Soul Burn, Ravi Feu peut taper très très fort, donc ça c'est plutôt bien en mono cible. Une fois que j'avais compris comment fonctionnait la phase 2, une fois que j'avais compris les héros que je devais prendre et pourquoi je devais les prendre, j'arrive enfin à la phase 3. Et la phase 3, elle est très très difficile parce que plus le combat va durer, plus le boss va taper fort, et au bout d'un moment, si vous n'avez pas assez de statistiques défensives sur vos héros, vous allez vous faire one shot. Donc elle est très très chiante parce que la mécanique pour taper plus fort sur le boss, ça va être de taper soit avec une contre-attaque, soit avec une duel attaque. Et moi, dans ma composition de base, j'ai essayé plusieurs héros et ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé Politis, mais ça manquait de dégâts parce que juste avec son S3, ça tapait pas assez fort pour faire des dégâts au boss. J'ai essayé avec Charlotte Feu en tant que tank parce que c'est un bon DPS et elle met aussi des malus, mais elle tape que dalle dans la troisième phase et elle est pas très intéressante. Surtout que les monstres vont retirer des bonus. Du coup, avec Charlotte, j'étais quasiment tout le temps obligé de Soul Burn pour pouvoir faire un S3. Et j'ai aussi essayé Mercedes Feu parce qu'elle pouvait donner un bonus attaque à toute ma team, taper en dehors de son tour de jeu avec son artefact, mais malgré tout ça, c'était pas forcément très intéressant. Donc j'ai voulu essayer de nouveaux héros, sachant que si je veux protéger un petit peu mes DPS et surtout Ténébria Feu que je trouvais vraiment très bien pour faire ce boss, il me fallait quasiment obligatoirement un chevalier, et malheureusement j'ai pas Cécilia Feu de montée, qui est un très bon chevalier. Elle va mettre des malus, dont un break def, et vu que c'est un chevalier, elle va pouvoir porter un Norius. Mais vu que je l'avais pas, j'ai dû trouver une alternative. Mon alternative, ça allait être Lilias, un héros que j'ai monté et que je regrette depuis hyper longtemps sur Epic Seven. Parce que j'ai dû la jouer trois fois depuis le début que j'ai monté, elle me sert quasiment à rien. À part faire quelques gros scores dans le calvaire, mais sinon je l'ai jamais vraiment utilisé et en soi on peut s'en passer. Mais pour cette troisième phase, je l'ai trouvée extraordinaire. Parce qu'elle a un S3 qui va pouvoir CR des push tous les adversaires, qui va pouvoir retirer tous les malus de sa team. Et surtout, son S1, ça va être une duel attaque. Et j'ai deux très bonnes duel attaques. J'ai celle de Ravi qui va taper très fort.
Et j'ai celle de Tenebria aussi qui va taper très fort vu que ça va être mon DPS. Et même celle d'Alcatès, elle n'est pas non plus mauvaise parce qu'elle peut mettre aussi un break attack. Donc c'est aussi pas mal pour réduire les dégâts. Et au niveau des soins, il n'y a pas grand chose parce que pour affronter le boss, il va falloir prendre quasiment que des héros feu. Et même en dehors des héros feu, il n'y a pas beaucoup de tisseurs d'âme qui vont être intéressants pour Secrétaire Vera. On a en gros trois choix possibles. On a Alcatès, on a Tamarine et on a aussi la version évoluée de Ezol. Pourquoi je n'ai pas pris Ezol évolué? Parce que j'ai pas fait l'évolution et j'ai pas envie de dépenser mon énergie pour l'évolution pour faire seulement un boss. Pourquoi? Parce que ça va me coûter environ 400 runes feu, plus de l'énergie que je vais dépenser parce qu'il y aura sûrement des monstres à aller taper dans l'aventure, etc., etc. Donc ça va me faire dépenser plusieurs jours d'énergie que j'aurais pu utiliser par exemple pour récupérer des équipements directement dans les chasses. Donc pour faire un boss une fois dans le mois, tous les mois, pour récupérer un équipement dont je suis même pas sûr que je vais utiliser, j'étais pas vraiment convaincu de monter SC Azul, donc j'ai un peu éliminé ce choix. Ensuite, j'avais soit le choix entre Tamarine et Akathes. Tamarine, je veux absolument la garder pour la reine, parce que pour la reine, elle est quasiment indispensable. Elle peut tout faire pour la reine, elle est incroyable, elle peut retirer les malus de la reine régulièrement, elle peut soigner sa team, retirer les malus de sa team. Et surtout, elle va pouvoir CR push toute sa team pour les mécaniques de l'arène. Donc, Tamarine, c'est quasiment obligatoire de la garder. Du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers Akathes. Et vous allez me dire, mais attends, t'as déjà utilisé Akathes pour faire le premier boss du Raid Cauchemar. Comment t'as fait pour réutiliser Akathes? Et c'est là, on va passer directement à la deuxième partie de ma vidéo, les équipements que j'ai utilisés. Alors, Akathes, il y a deux choix possibles. Le premier, ça va être de faire comme moi parce que j'avais deux Akathes. C'est un personnage 4 étoiles donc c'est pas non plus très dur de l'avoir en deux exemplaires. Et on peut le voir que j'en ai deux qui sont montés niveau 50 et j'ai investi 3 Molagora dessus. Pourquoi j'ai investi si peu de Molagora et pourquoi j'ai investi ces Molagora? Son S1 n'est pas intéressant, c'est pour mettre son malus donc c'est pas très grave. Son S2 va augmenter les soins et rien faire d'autre et je l'ai pas trouvé intéressant parce que c'était pas le gros de mon problème. En gros, soit je me faisais one shot, soit j'avais assez de soins sans monter le sort donc ça servait à rien de le monter. Et j'ai voulu absolument maxer le S3 jusqu'au tour de recharge parce que comme ça on va pouvoir cycler, faire une fois le S3, une fois le S2, une fois le S3, une fois le S2. Et en gros, Akathes, elle aura toujours soit le S2, soit le S3 de disponible. Et c'est pour ça que j'ai investi 3 Molagora dessus. C'est pas énorme. Je sais que c'est un petit peu chiant de monter un personnage en deux exemplaires et dépenser 3 Molagora dessus pour faire du PvE. Mais 3 Molagora, c'est même pas une semaine sur Epic Seven. Sachant qu'on peut aussi monter ces 3 Molagora avec l'amitié. Si vous avez par exemple des coffres d'amitié, ou si par exemple vous êtes vraiment motivé à farmer l'amitié sur Akathes, vous allez pouvoir monter son amitié jusqu'à 10. Et là, vous allez récupérer 3 cœurs qui vont vous permettre d'économiser vos Molagora. Moi, j'avais la flemme. J'avais pas mal de Molagora de disponibles à cette époque. Donc, j'ai directement dépensé mes Molagora. Mais ça peut être une alternative si vous êtes vraiment économe. Donc, ça, c'est la première solution. Monter de Akathes niveau 50. Ça demande pas non plus énormément de ressources. C'est plutôt ok, sachant qu'on peut récupérer tous les mois un équipement niveau 88 qui est plutôt pas mal en général. Donc je trouve que pour s'amuser et s'améliorer, c'est pas trop mal. La deuxième alternative, ça va être d'utiliser Akathes pour ce boss le mois prochain. Et pour le mois prochain, je ne vais pas utiliser Akathes pour le premier boss. Et je vais utiliser un autre tisseur d'âme. Parce que Akathes n'est pas si forte que ça finalement dans la composition que j'ai choisie pour effectuer le premier boss. Du coup, je pense que je vais la remplacer par un autre tisseur d'âme qui peut être aussi tout à fait bien. Un tisseur d'âme qui va soit soigner ou soit retirer des malus. J'ai pas mal de choix dans ma box, donc je pense que ça devrait être assez facile de la remplacer. Après, c'est vrai que maintenant j'ai monté les deux Akathes, donc peut-être que j'aurai deux Akathes. Mais si vous n'avez pas encore commencé à faire les boss, gardez peut-être Akathes pour Secrétaire Vera, et pour le premier boss, vous allez utiliser un autre tisseur d'âme que vous n'allez pas utiliser dans d'autres boss. Au niveau de mes stats, j'ai exactement les mêmes stats que mon Akathes précédente, à part peut-être que je n'ai pas d'imprint, donc je perds peut-être un petit peu de R, mais sinon c'est le stuff de Madoris. J'ai à peu près 1500 de défense, 15 000 de santé, enfin plutôt 14 000, une vitesse décente, 200 de R, comme ça je me fais jamais silence par le boss et je me fais jamais CR des push. Ça va être important parce que les monstres vont retirer l'ardeur au combat, donc c'est assez chiant si notre tisseur d'âme ne peut pas jouer régulièrement. Au niveau de l'équipement exclusif, donc là pareil, j'ai celui qui augmente les soins comme avant. Et au niveau des artefacts, je joue avec le tome de Magara parce que ça va me permettre de cycler très vite sur Akathes. Mais vous pouvez très bien jouer la tige d'Amaryllis si par exemple vous avez besoin de soins ou un autre artefact qui veut par exemple retirer des malus
Tout dépend un peu de votre besoin. Au niveau des artefacts, il y a pas mal d'artefacts qui sont intéressants sur AKTS, tout dépend comment vous voulez jouer. Ensuite, au niveau de mes DPS, on va passer à Ravi. Et c'est un des premiers personnages que j'ai monté en PvP. J'ai jamais changé ses équipements, donc il a des stats plutôt décentes. Assez tanky, pas non plus énormément d'attaques. L'objectif de Ravi en PvP, c'est surtout de tanker et les dégâts, c'est un peu optionnel puisqu'elle demande beaucoup de statistiques en plus des dégâts. Pour son équipement exclusif, je la joue avec le nouveau équipement exclusif qui a changé depuis son up et qui va mettre un malus supplémentaire au boss lors du S1. Donc ça sera plutôt intéressant pour la phase 2. Au niveau de l'artefact assez classique, Feu de Sigur. Le mien est que niveau 30, mais ça sera largement suffisant. Au niveau de Ténébris à feu, on peut voir que la mienne, elle est dans la bénédiction de croissance parce que j'ai jamais monté le héros et j'en suis vraiment tombé amoureux. Je trouve son kit vraiment sympa et peut-être que je la jouerai plus tard en PvP parce que j'aime beaucoup le héros. Elle est assez forte et pas très populaire, donc pourquoi pas, ça peut être cool. Je la joue avec l'artefact Joker pour taper plus fort. Je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent par exemple Abyssal Crown ou Sirarène, mais moi je trouve qu'au niveau des malus j'étais plutôt correct avec cette team et ce qui manquait c'était surtout les dégâts. Du coup le Joker pour faire Secrétaire Vera qui a énormément de points de vie c'était plutôt à mon avantage parce que c'est très long de la tomber. Et je la joue vraiment en mode DPS, hein. J'ai pas spécialement beaucoup de santé et de défense, j'ai une bonne vitesse, pas mal d'attaques et surtout je la joue avec 102 chances de coup critique, du DCC et un petit peu d'efficacité. Après je sais qu'il y a aussi des Ténébris à feu qui se jouent avec beaucoup d'attaques, beaucoup de santé, beaucoup de défense et sans chance de coup critique parce qu'il y a déjà des très bons ratios sur ses sorts. Mais moi j'ai aussi fait avec les équipements qui étaient disponibles dans ma box, donc je me suis pas trop pris la tête, j'avais ça disponible, j'ai mis ça. Au niveau de son équipement exclusif, j'ai mis son dernier équipement exclusif qui va réduire le tour de recharge du S3. Comme ça, je pourrais faire régulièrement les breakdefs et les slips, en plus de taper en zone. Donc voilà pour ma composition. Je vous ai dit que j'ai testé pas mal de héros différents, pas mal de variétés de compositions, et celle-là, elle est passée en une tentative. Donc je pense que le mois prochain, j'irai la réutiliser, parce qu'au final, c'est celle qui m'a fait le moins galérer. Au niveau des alternatives, alors, en général, il va falloir utiliser des héros feu. C'est pas forcément nécessaire d'avoir 4 héros feu, mais en gros, les personnages feu vont taper plus fort sur le boss. Donc ça serait un petit peu dommage de se priver de l'avantage élémentaire. Le premier va être Edward, parce qu'il va pouvoir counter à chaque fois qu'il se fait taper quand il a un malus. Parce qu'on va subir pas mal de malus durant tout le combat. Donc comme je l'ai dit, une alternative en tant que chevalier à Lilias Feu, ça va être Cecilia qui va pouvoir mettre beaucoup de malus à l'adversaire, dont un breakdef. Haste est aussi très intéressant parce qu'il va mettre beaucoup de malus, taper en zone et aussi infliger un breakdef. Charlotte Feu, alors tout dépendra de votre composition. Je pense que si vous jouez avec SC Azol, Charlotte Feu sera plutôt intéressante puisqu'elle aura tout le temps un bonus avec Azol. Mais sans Azol, je pense que Charlotte Feu n'est pas très bien dans cette composition, ou en tout cas pas dans une composition qui ne peut pas booster Charlotte régulièrement, puisque les adversaires vont retirer les bonus de Charlotte, et du coup c'est un petit peu chiant. Si elle ne se fait pas taper, elle aura jamais ses bonus, en supplément du fait que les adversaires retirent régulièrement des bonus. J'ai vu aussi des compositions avec Lilika, surtout pour CRD push le boss et ce CR push. Composition assez spécifique, donc pas sûr que Lidika soit vraiment très intéressante en dehors de ses compositions. Aramita peut être intéressante aussi, vu qu'elle a de l'anti-heal, elle a des brûlures, du stun. Ça peut être un bon héros, j'ai jamais essayé, donc je suis pas certain qu'elle fonctionne, mais je pense qu'elle a plutôt un très bon kit pour le faire. De même pour Balai Sezzan, ça peut être un bon héros pour effectuer le boss, vu qu'il inflige pas mal de malus, il me semble, et tape en zone. Pour ceux qui l'ont déjà monté, par exemple pour l'expédition Terre, ça peut être une bonne occasion de le ressortir. Politis, moi j'ai eu un petit peu du mal. Peut-être qu'elle fonctionne dans certaines compositions, notamment avec SC Azul qui va pouvoir lui donner un boost attaque, mais j'ai trouvé que la mienne n'était pas assez efficace. Pour la phase 3, elle perdait trop vite des points de vie vu qu'elle est full dégâts. Et j'imagine que si elle n'est pas full dégâts, bah elle va rien taper sur ses sorts, notamment son S3 et son passif, donc pas sûr qu'elle soit vraiment si intéressante que ça. Un peu pareil pour Mercedes, j'ai pas réussi à la faire briller, même si elle a de très bons avantages. Elle va taper en zone avec son S2 et son S3, elle va donner un bonus attaque à toute sa team. Mais le problème, c'est qu'elle va pas infliger de malus, du coup il va falloir compenser avec beaucoup de malus dans sa team. Après, si vous la jouez par exemple avec Cecilia Feu qui met beaucoup de malus, ça peut être pas mal. Et enfin, Mascotte Azol, la version évoluée d'Azol. Alors, du coup, si vous l'avez, vous pouvez la jouer. Après, c'est pas forcément une évolution qui est très populaire et qui est très jouée dans d'autres contenus du jeu. Donc, c'est pas forcément intéressant d'aller la monter uniquement pour ça. Mais après, vous faites ce que vous voulez avec vos héros et votre box. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des héros les plus populaires pour effectuer le boss. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants, mais je les connais pas très bien et ils sont assez niches. Et on va directement pouvoir enchaîner sur mon combat. Alors, c'est un combat que j'ai fait en off. J'étais pas sur Twitch cette fois-ci. Mais c'est pas très grave, j'ai quand même réussi à enregistrer mon combat. Comme pour les autres boss, on n'oublie pas d'augmenter son moral au maximum pour récupérer le plus de santé max possible. Et on utilise les potions s'il nous manque des points de vie. Donc pour la première phase, il ne faudra jamais faire une attaque mono-cible sur le boss tant qu'il y a des alliés avec lui.
Il faudra tuer des alliés pour pouvoir faire des attaques mono-cibles ou alors taper en zone. Et l'objectif, ça va être de tuer rapidement ces alliés puisqu'ils vont soigner et nous mettre des malus. Et si les eaux éclosent, c'est quasiment perdu. Mais ça va, ces alliés n'ont pas beaucoup de points de vie, c'est assez facile de les tuer rapidement. Je vais garder mon S3 et mon S2 avec Ténébria pour cette phase-ci. Avec Akathès, je vais faire à la fois le S3, à la fois le S2. Et avec Emel Ilias, en général, je vais faire que des S3 ou des S1, sachant que le boss est immunisé au S2 du CR des poches de l'Ilias, donc c'est pas forcément très intéressant de le faire, mis à part pour le shield. Avec Ravi, je vais garder son S3 à chaque fois que Secrétaire Vera invoque ses alliés. Et sinon, je vais faire que des S1. Pareil pour Tenebria, quand il reste que le boss, je fais que des S1 pour garder mon S2 et mon S3 lorsqu'il y aura les alliés du boss. Et j'avais l'impression que quand Secrétaire Vera était toute seule, sans qu'il y ait d'alliés avec elle, il était impossible de lui mettre des breakdefs. Je suis pas certain de cette information, mais c'est ce que j'avais l'impression de voir avec ses immunités. Une phase pas très compliquée. Avec Akathès, je vais attendre que le boss fasse son S3 avant de refaire mon S3. Donc là, faut voir un petit peu par rapport à votre vitesse et par rapport aussi, par exemple, à l'artefact que vous jouez. Si vous gagnez de l'ardeur au combat quand vous faites une compétence non offensive, il va falloir bien cycler ses sorts pour garder le S3 quand il va invoquer ses alliés parce que vous allez avoir pas mal de malus sur votre team. Et ce qui est pratique avec Akathès, du coup, c'est qu'en général, elle va jouer avant votre team et elle va retirer les malus, surtout à Ravi et surtout à Ténébris à feu. Encore à l'Ilias, c'est pas très grave. Mais il faut que vos DPS puissent taper le plus rapidement possible les alliés du boss. Donc une phase pas très compliquée, on va pouvoir la passer en accéléré et on va directement enchaîner vers la deuxième phase. Pour accéder à la deuxième phase, vous faites ça en répétition et vous avez juste à atteindre les 50% des points de vue du boss. Au début, c'est un petit peu dur, on a l'impression qu'on lui met pas énormément de dégâts, mais c'est normal, la phase est pas très rapide, sachant que dès qu'un œuf éclos, il va soigner Secrétaire Vera, donc forcément à chaque fois qu'il va invoquer, il va forcément soigner puisqu'il va faire éclore un des 4 œufs. C'est pas la phase la plus dure. Elle est peut-être un petit peu longue selon votre composition, mais il ne faudra pas trop essayer d'adapter votre composition par rapport à cette phase, parce que c'est pas celle qui présente le plus grand du danger, ni la plus grande difficulté. Je rappelle aussi un petit point, c'est que Secrétaire Vera va réduire les dégâts subis si le tapeur n'est pas d'élément feu. Donc ça va être important aussi d'avoir des personnages de type feu. On arrive ensuite à la deuxième phase, le boss tombe en dessous des 50% suite à l'attaque de Ravi. Il va taper tous nos héros, se transformer en œuf et invoquer deux alliés. Ces alliés vont être assez chiants puisqu'ils vont faire des compétences non offensives qui vont retirer nos bonus et nous provoquer. Du coup, c'est un peu chiant puisqu'on ne pourra pas toujours taper Secrétaire Vera. Et je rappelle que c'est important de pouvoir lui infliger des malus et de la tuer avant son S3 parce que sinon elle va nous one shot. Comme on peut le voir, elle est immunisée à pas mal de malus, notamment les stuns, les sleep, les poisons, ainsi que d'autres malus un peu plus situationnels. Et comme je l'ai dit durant plusieurs moments dans la vidéo, pour taper Secrétaire Vera le plus fort possible, il va falloir infliger le plus de malus possible. Plus elle aura de malus et plus nos dégâts vont augmenter durant sa phase où elle sera en œuf. Donc mon objectif, ça va être de la focus et de lui infliger le plus de malus possible. J'ai donc mon S1 avec Ravi pour infliger une insensibilité au bonus. J'ai le break attack sur Akathès avec son S1, on sait jamais, ça peut passer. Et j'ai tous les malus de Ténébris à feu. Je peux donc lui mettre un malus vitesse avec son S2 et un malus défense avec son S3. Et concernant les soul burn, j'en ai pas parlé dans la première phase parce que c'est pas très important. Mais si vous avez des soul burn à dépenser, dépensez-les avec Ravi. Parce que ça va grandement augmenter ses dégâts, surtout pour la phase 2, ça va être important parce qu'on est quand même assez juste niveau dégâts avec les provocations et tout. Des fois, ça peut un peu mal tourner au niveau du combat, mais normalement, vous devriez avoir assez de dégâts avec ses malus plus les soul burn. Sachant qu'en plus, l'avantage de Ténébris à feu, c'est qu'elle va pouvoir sleep les deux alliés du boss, ce qui fait qu'ils vont pas forcément toujours nous provoquer. Donc, on pourra se concentrer sur Secrétaire Vera assez régulièrement, en tout cas quand ils auront le malus vitesse. Et le slip, c'est pas non plus impossible de focus Secrétaire Vera, et c'est à peu près tout, lui infliger le plus de malus et taper le plus possible avant que son œuf éclos et on pourra directement enchaîner sur sa phase 3. On voit que le boss a bientôt son S3 de disponible. Je vais faire un soul burn avec Ravi. Le boss a 3 malus, donc je vais taper quand même assez fort.
Je le tue et là on commence la dernière phase, sa troisième phase. Donc on voit que le boss pour la troisième phase, il va avoir une immunité pendant 3 tours, ce qui est plutôt assez chiant pour lui mettre des break death. Et en plus de ça, ses deux alliés vont avoir un bonus vitesse. Et du coup, ça va être assez chiant parce qu'ils vont nous provoquer régulièrement. Et quand ils vont nous taper, ils vont nous faire serre des push quasiment de 100%, repasser tout à la fin de la barre d'ardeur au combat. Donc c'est assez chiant, il faut faire attention à ça. Et l'avantage d'Akathès avec de l'ER, c'est qu'elle ne se fera jamais des push. Donc au moins au niveau du soin et au niveau des malus, on sera plutôt bien de ce côté-là. L'avantage du S3 de Ravi, c'est qu'elle va pouvoir stun la plupart des adversaires, ce qui fait qu'on va éviter les malus et le CR des push le plus régulièrement possible. Et en plus de ça, il y a aussi Ténébris à feu qui va pouvoir les slip et leur mettre un malus vitesse ainsi que de les CR des push. Et on n'oublie pas non plus le S3 de Lilias qui va pouvoir CR des push tous les adversaires régulièrement. Et on n'aura plus qu'à se focus principalement sur Secrétaire Vera. Et tout comme la phase 1, il faudra essayer de tuer les deux œufs que Secrétaire Vera va régulièrement invoquer avec son S3 afin qu'il n'éclot pas parce que sinon il y aura beaucoup trop d'adversaires, on se prendra trop de dégâts, trop de malus, trop de CR des push et ça va vite être trop dur de gérer cette phase-là. Donc le but ça va être de taper à la fois en zone et à la fois en mono-cible Secrétaire Vera pour essayer de la tomber le plus possible. Cette fois-ci on n'est pas obligé de taper ses alliés pour pouvoir taper Secrétaire Vera comme la phase 1. Il est directement possible de faire des attaques mono-cibles sur Secrétaire Vera. Et c'est à partir de cette phase-là que le combat devient vraiment difficile, parce qu'à chaque tour de Secrétaire Vera, elle va gagner des stats supplémentaires en attaque et en vitesse, ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va one-shot tous les personnages qui ne sont pas assez tanky, et elle va jouer très très vite, au point de jouer quasiment deux fois plus vite que tous mes héros. On va voir que déjà, rien qu'au début, quand elle aura un quart des points de vie en moins, elle va quasiment one-shot Ténébris à feu, donc c'est assez compliqué quand même d'encaisser les dégâts, et sans héros qui vont pouvoir protéger notre team, j'ai un peu du mal à voir comment on va gérer efficacement cette phase, parce qu'elle est quand même assez compliquée et assez longue. Pour cette phase, le point faible du boss, ça va être les dual attaques et les contre-attaques, puisque les dégâts que va subir le boss lors de ces dual attaques et contre-attaques vont être augmentés. Et c'est pour ça que j'ai pris Lilias, parce qu'elle va pouvoir à la fois protéger ma team avec un Horus, et à la fois pouvoir faire une dual attaque avec son S1 très régulièrement. Du coup, quand la dual attaque va se faire avec Ravi ou avec Ténébris à feu, je vais taper quand même assez fort. Et en plus de ça, je vais avoir aussi un break death avec Ténébris, même si toutefois le break death ne passe pas non plus tout le temps parce que j'ai pas forcément assez d'efficacité sur le personnage, mais on arrive quand même plus ou moins à s'en sortir. La dual attaque de Ravi se tape quand même assez fort. J'ai encore pas mal d'âmes pour faire soit des Harkis, soit des Soul Burn avec Ravi. Et l'objectif ici, c'est un peu une course contre la montre, puisqu'il va falloir taper Secrétaire Vera le plus rapidement possible avant qu'elle tape vraiment trop fort et qu'elle one shot tous mes héros. Donc j'hésite pas à faire des Soul Burn avec Ravi, sachant qu'en plus, dès que les œufs vont jouer, ils vont pouvoir se soigner entre eux, ce qui fait que si on les tue pas rapidement, ça va être très compliqué de pouvoir les tuer, surtout avec ma composition où j'ai pas forcément de sort très évident pour taper en zone. Parce que ça va être le S2 et le S3 de Ténébris à feu qui sont pas forcément évidents à placer, et j'ai aussi le S3 de Ravi qui dépend un petit peu de son esprit combatif, donc c'est pas forcément le plus pratique pour taper en zone non plus, surtout que si les deux scarabées vont commencer à focus Ténébria ou Ravi, je vais me faire serre des push ou je vais me faire provoquer. Du coup, c'est un petit peu galère pour pouvoir tout le temps taper en zone, mais c'est pas très grave parce que même s'ils éclosent, je vais pouvoir quand même taper assez fort, notamment avec Ravi qui va infiltrer la défense de 50% maintenant. Je vais réussir à les retuer et mon but après, ça va être de dépenser le plus rapidement possible toutes mes âmes parce que je vais bientôt me faire one shot et ça m'est arrivé très souvent avec d'autres compositions, c'est là où je galérais le plus quand il restait environ entre 25 et 50% des points de vie de Secrétaire Vera, ça commençait à être vraiment difficile et avec cette composition je trouve que c'est plutôt bien passé comparé à mes autres tentatives donc j'en suis plutôt content puisqu'on peut voir que j'ai terminé le combat avec tous mes héros en vie alors qu'avant j'arrivais souvent à perdre Politis et Ténébris à feu beaucoup plus tôt dans le combat, donc là je suis plutôt content. La composition fonctionne plutôt bien pour moi. J'avais un petit peu peur à la fin quand le boss a tapé tous mes héros parce que je pensais qu'il allait tuer Ténébris à feu, mais on voit que j'ai quand même fini le combat assez facilement parce qu'il me restait quand même pas mal d'âmes. Du coup, je pouvais encore faire par exemple des Soul Burn pour Ravi ou encore des Harkis. Attention toutefois, pour cette phase-là, Harkis ne va pas taper très fort, il va taper seulement 8000 de dégâts. Et 8000 de dégâts, c'est vraiment pas très fort. Comparé à par exemple Apocalypse Ravi qui va pouvoir faire le double sur une counter-attaque. Donc je vous déconseille d'utiliser Harkis pour cette phase et il vaudra mieux Soul Burn pour
soit par des extra turns sur vos héros, soit pour le soin par exemple si vous avez besoin de soins, ou soit par exemple pour augmenter vos dégâts. Ça sera plus intéressant que des Harkis parce que Harkis n'est vraiment pas très rentable pour cette phase-là, ses dégâts sont très très faibles. Bien évidemment, on n'oublie pas de cliquer sur le coffre pour récupérer sa récompense. Si vous n'avez pas encore terminé le labyrinthe à 100%, n'oubliez pas d'avancer le chemin le plus possible pour déverrouiller à 100% le labyrinthe et récupérer des récompenses supplémentaires. Et au niveau de l'équipement que j'ai récupéré de mon côté, ça va être l'équipement défense qui a l'air plutôt intéressant, avec des bonnes stats, de la santé, de la vitesse, des chances de coups critiques et de l'efficacité. Ça pourrait être notamment intéressant sur des héros qui vont taper en fonction de leur défense, comme par exemple sur l'Hermia. C'était Shuriken, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, soit dans les commentaires, soit sur Discord, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao!